ouais, pendant nous en discussion, vous avez fait gaz, l'école va pas ouvrir, n'a pas parlé de instabilité qui est là, nèg kap fait complot pour venir poste et Nations Unies lui-même lui mandé pour débloquer gaz. Ou connaît actuellement la gon plan qu'a fait là sous dos haïtien République Dominicaine. Ou pas comme ça. Mbal photo de yon dominicain kap expliquer avec amertume et monsieur rivé crier. Nous avons expliqué, mesdames, messieurs, yon plan li konnen ki gen la pour que la mafia en République Dominicaine yo assassine yon quantité haïtien. M'a vin la pour m'vin fò peur. M'a vin la pour m'vin fò peur. Même bral fò tande. Même si espagnol la pa en pile, mais quand même, ou ka peut-être tande. Et ou bral suivre expression visage, monsieur, quand m'sop kriye. Pendant m'sop expliquer la situation des haïtiens en République Dominicaine. Nèg ki la en République Dominicaine actuellement kap dirige. Nèg sa ou se anti-nationaliste yo e. Anti-haïtianiste. Que c'est Luis Abinadel qui est descendant arabe. Pas bien ça, non? Monsieur pas bon dominicain, non? Monsieur son descendant arabe lié. Donc, quand la mené bataille contre haïtien là, c'est pour pas découvrir nationalité. Monsieur pas bon dominicain, non? Luis Abinadel, le président de la République Dominicaine. Monsieur c'est arabe lié. L'autre prend Luis Abinadel. Et ou prend le magistrat de Santiago n'a parlé de Abel Martinez. Nèg sa yo. Nèg sa yo gou phobie haïtien. Depuis nèg sa yo wè haïtien yo gen problème. Et gon plan ka fèt la, mesdames messieurs, m pral fò tande. Barbecue fait gros déclaration, monsieur fait gros sortie et monsieur dénoncé on sait de monde bon particulièrement moi-même parce que moi-même moi dit ça qu'a fait là il pas gain révolution là-dedans jusqu'à ce que monsieur prouve le contraire. Je dénonce tout le monde qu'a dit qu'a fait connait oui, il pas bataille pour révolution vrai, elle croit lui-même bataille la mener c'est pour la révolution. Gè cause Nations Unies continue à demander pour libérer gaz là. Est-ce qu'on peut parler de choléra vraiment? Parce que moi, j'ai un paquet d'entité internationale. Oh, go aide, oui, qui te promet à Haïti là. Il y a environ 28 230 savons. Entendez-vous le peuple? International là promet pour faire Haïti cadeau 28 230 savons. 775 000 tablettes. C'est-à-dire, si ça n'était carré, il y a quoi table? Vous comprenez? Pour désinfecter de l'eau. Ça veut dire, nous en 2022, international, nous savons, mais nous tous nous songeons, sans autre chose pour Marie Greta ou Clément, ancienne ministre des publics, nous tous nous songeons, là, nous recevons quelques beaux kits, non, mais UNICEF, je crois, quelques beaux kits. Elle campait la faire photo pour quelques beaux kits, nous recevons dans la période Corona, nous tous nous songeons ça. Ça veut dire, c'est salope, nous salope même. Donc, Nations Unies promet là-bas, nous savons, là-bas, nous. Si désinfectant au coup ça ne dégare les aquatabio ça ne connaît pour nous désinfecter de l'eau. Où est cette dure? Où en plein 21e siècle pour ce qu'on y a montré au laver mais on y a sensibilisé pour laver mais on. Ça en fait nous en forme. Chanel là c'est Haïti réflexion amis qui avec quoi c'est grâce fils aimé. Bah y a compliqué les amis. Ouais des fois soit coûter mon yo. Même salutation d'usage ou oublier fait. Franchement. Même salutation d'usage, des fois oublier comment pour faire. Parce que nous tellement à poser ces deux actions tête en bas. Pas oublier nous, même si c'est la première fois tomber sous nous. Nous invitons au Kounia la même activer cloche notification qui donc pour abonner. C'est ça qui peut permettre ou toujours rester connecté à tout ça qui a passé, à toute actualité. Yo. Et puis pas oublier partager, liker, commenter pour plus de monde qui a des possibilités pour rester connecté. Nous voilà causer, oui. Et en République Dominicaine, il y a un accident qui fait bah la tragique. Bon, on a montré l'image ça. Il y a des têtes qui rachent, oui. Têtes qui rachent, séparées de colnet, oui. Bout de poignet, à terre, on a gardé tout le monde. Enfin, il y a des images qui tellement choc, on a même qu'à montré. Regardez là, mesdames, messieurs, pas déplacé, non? On a retourné dans un badge. Bagala compliqué en République Dominicaine, toujours. Pour les haïtiens, m'bral fò tande, yon dominicain
Yon dominicain qui parle yon espagnol, mais en dans espagnol, monsieur parle, même si ou pas parle espagnol, ou ap comprenne. Émotion qui a dégagé dans la parole, monsieur a dit yo. Ou ap rive comprenne. Quelques mots, côté monsieur a dénoncé yon plan macabre, li dit qui gen là actuellement. Bon, faut entendre. Mesdames, messieurs, moi même sou bagay n'ap discuter ça tout temps fòm bay piou bi gopla et puis erbi nous toujours ap discuter la possibilité qu'il y a un massacre sur les haïtiens. Oui, gen moun ki di nous en 2022 gen bagay ki te fait hier ki pa ka fait jodi, a pa gen problème. Vous comprenez ça? Et moi même moi appuyer sur une thèse pour me dire c'est un mauvaise image qui tapait pour République Dominicaine. Mais après ça, est-ce que go bagay vrai qui ka empêché ou si ou ta décidé d'y faire? Qui ça ka empêché ou qui crétif ou pral gen? Entendez ensemble. Même si espagnol ou pas en pile, mais essayez suivre expression visage et puis ou essayez comprendre mesdames messieurs quelques mots dans ça monsieur t'a dit. Las redes sociales, porque yo voy a difundir este video por todas las redes sociales. Se está formando, se está organizando una pandilla anti-haitiano en República Dominicana. Estoy exponiendo mi vida al decir esto, porque me van a catalogar de traidor, pero yo no voy en eso. Una pandilla que se está formando para eliminar todo vestigio haitiano que haya en República Dominicana. Van a empezar, quieren empezar por los varones, matando a los varones. Yo sé que mi vida corre peligro con decir eso porque me van a cortar los ojos de traidor. Yo no quise entrar en eso porque yo no estoy de acuerdo en eso. Pero es que la gente ya está harto, esa gente está harto ya de tanta atrocidad, de tanta cosa que están haciendo los haitianos en su país y que quieren, la gente tiene miedo de que lo haga aquí porque aquí nosotros queremos vivir en paz. No queremos guerra, no queremos. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo aquí estamos viviendo en paz. Pero no estoy de acuerdo con empezar a matar haitianos aquí en este país, porque hay muchos varones, muchos haitianos, yo conozco muchos haitianos que son unos infelices, que son padres de familia, que no son de nada. ¿Te entiendes? Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, así que tengan cuidado con eso. Por favor, vamos a tener paz entre nosotros, vamos a tener paz, vamos a resolver lo que haya que resolver, vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que se resuelva la situación de Haití y que no tengamos que llegar a eso, a estar matando a haitianos. No, no, nosotros no somos asesinos. Es de verdad que se lo estoy diciendo. Me llamaron para pedirme que yo me una a eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy poniendo mi vida en peligro con decirle eso. Así que tengan cuidado. Por favor, ya está bueno, ya. Vamos a pedirle a Dios que se resuelva esa situación de Haití. On connait pas trop qui met trop pour me connait grand pile haïtien qui vivent en République Dominicaine ou bien dans pays latino y a comprendre qui ça veut dire là. Je dénonce un plan macabre qui gen là et ouais monsieur a dit c'est la paix nous besoin haïtien avec dominicain. Donc c'est certainement par rapport avec mauvaises conditions qui gen là en Haïti. Dominicain yo souffri une maladie depuis ouais haïtien toute plume levé sous do yo. Obamas, tout entende, yon paquet haïtien kap mouri. Gye haïtien ou tende kap ki mouri nan l'anmè. Se pa batou ki chavire vre, non, comme si se vent ki chavire batou, non. Se batou gad kop peyi yo, oui. Ki chavire batou haïtien sou yo, oui. Tende bien. An pil fwa tende ap di ou. Gye 10, gye 15, gye 20 haïtien ki mouri. E pa lot bagay. C'est bateau gad kot yo même qui coule bateau haïtien yo. Ou passe responsable nous yo pa konnen? Ah, ou passe nèg kap dirije nèg ki dans l'état, ou passe yo pa konn ça? Ou passe yo pa au courant? Ou passe international pa au courant? Si c'était ti américain. Si c'était ti cubain. Si c'était ti vénézuélien. Si c'était ti français, ti russe. Si c'était belge. Ou pensez que ça t'a passé? Ou pensez enquête t'a bien mené? Yon t'a bien connu dans quelle circonstance, dans quelle situation? La quantité haïtienne qui t'est mouri tout dernièrement Bahamas, environ 17, t'es qui si moun là dans lui, ou j'aime de dégoût enquête qui l'ouvre, yon juste dit c'était clandestin, c'était un voyage clandestin, et puis ça s'arrête là.
pas jamais dit nous c'est bateau garde quoi qui coule bateau a. Ou pas comprendre. Et bien, c'est même gens. Si on a décidé de faire un massacre tout en Haïti, là, ou bien faire un massacre, ou bien Dominique a dit massacrer Haïti qui vivent en République Dominicaine. Après, on pile moun pral parler, etc. Mais ça a prêté là. Parce que c'est Haïtien. Ils considèrent Haïti comme des cobayes. Même gens, on comprend. C'est la race noire même. Ils considèrent comme cobayes. Parce que je me souviens, là où on a vu ça peine paraître, conseil de vaccin. Tendez le peuple. Conseil de vaccin. Yo t'a pral expérimenter. Là yo pour vaccin ça yo. Yo fait yo kounya. Ki kote konn t'a pral expérimenter d'abord en Afrique. Alors que l'on t'a regardé tout moun qui t'a trappé coronavirus en Europe, c'est ton hécatombe coronavirus t'a fait. Tellement t'a gen moun qui mouri là-dedans, mais pour ça yo pas t'a essayer quand tu as plus moun mouri yo, quand tu as plus moun ki infecté yo, yo te di yo t'a essayer en Afrique parce que les Africains yo considéré yo la race noire yo considéré yo comme cobaye. C'est nous pouvons quoi nous, c'est nous pouvons zo nous. L'état la gen nous contenir là, c'est l'état même qui mette nous contenir là. Hey, qui ça nous doit faire, qui ça nous doit dire? Ou imagine aujourd'hui là, si haïtien ça ou t'a dit entre la caillou côté y a passé. Gemoun là, on est en septembre, non? Non, on est en octobre. Je dis à 7 octobre, bah ça? On comprend. Gen haïtien là, actuellement. Ouais, pendant octobre là, yo te kon gen fè réservation yo pour rentrer à Haïti parce que décembre décembre pas passer au dehors. Décembre pas prendre au dehors. Ou bien fête fin d'année pas prendre au dehors. Mais gen haïtien là pas kon depuis qui année nous réserver pour rentrer en Haïti? Gen haïtien pas qui pas songer depuis qui l'heure? Yo achete un ticket pour rentrer en Haïti dans pays yo propre pays yo. Ou comprenez ça? Qui ça qui passé? On bonne nèg ak fòm, yo décidé di yo ki bon pays yo met ton pays en otage. Y a goumen on cherche pour qui sont pas wel. Parce que l'op gade sou pour Haïti ça nèg y a goumen nan crasse ça nan la bou ça. L'op gade situation qui gen là. Ou on premier ministre, chaque fois il parle, il parle pour ne rien dire. Chaque fois il tente de dire bagay, li agace peuple là plus. Nous n'avons aucun monde, pas de leadership qui respecte, pas de monde là, s'il parle, voile à faire autorité. Personne. Bon, conseil de nèg, mais où paye ça? Son pays spécial tout bon. Mal faut attendre le ministre de la justice et de la sécurité publique. Le peuple tendait. Mal faut attendre le ministre de justice là, Berto Dorsey, qui a prononcé sous situation pays. Attendez. Monsieur le ministre, qui ça n'a fait pour nous retourner à la situation normale là? Pour nous retourner à la situation normale là, faudrait-il que. Par contre, bien entendu, qu'il soit relé la situation normale là. Situation normale, ça veut dire pour payer. Situation normale, pour gagner l'école, vous comprenez, pour gagner sécurité, pour gagner, pour pas avoir problème la vie chère, ça, situation normale, lui, okay. Parce que là, nous, nos situations anormales. Très bien. Meilleure façon pour nous faire tout ça, nous devons faire pour la population, il faut que nous suspendions, subventionner gaz là. Ou quoi, attendez? Ministre, justice l'a dit, meilleure façon pour la situation pays à améliorer, faut que yo suspende subventionner gaz là. Ministre justice là dit nous ça. Est-ce que c'est pas même déclaration ça t'a fait tout dernièrement? Est-ce que c'est pas même bagage ça gouvernement t'a dit nous tout dernièrement là on t'a monté gaz là en décembre. Pour situation peuple qu'a amélioré ou ben c'est empirer l'empirer? Moi quoi j'aime comprendre logique ça. Le nèg la campel dit ou meilleure façon pour payer aller ouf c'est gaz qui pour monter pas chame comprendre situation ça. Est-ce que il y a plus de travail qui pour le créer? Est-ce que pas gain plus emploi? Est-ce que n'a réduit ton chômage là? Expliquez-moi. Parce que en imaginer leur monter gaz là, voilà la situation. Leur monter gaz là, population pour consommer hein? S'il t'a acheté un sac du riz 500 gouttes, par exemple, il va obligé acheter 600-700 gouttes. Tenez bien.
S'il t'a acheté un gallon d'huile 100 gouttes, il peut obligé acheter 125 gouttes parce que le gaz l'a monté, son produit transversal lié. S'il t'a qu'on paye machine dépendamment de côté le bras, s'il t'a qu'on paye un coût 10 gouttes, il peut obligé payer 15 gouttes. Qu'on y a montré qui côté la pi bon pour l'IA. Montré. Quel que soit service qui t'a de jouer, prix service après augmenter presque doublé parfois. Qu'on y a montré comment l'eau monte gaz à bon pour l'IA. Montrez, expliquez. Si quoi il t'a touché dans le travail, il a toujours touché même petit bout d'amonnaie. Qu'on y a expliqué comment. Les nègres ont dit la meilleure façon pour payer à sortir côté là, la meilleure façon pour payer à développer, la meilleure façon pour nous jouer une stabilité dans la crise qui est là, pour nous retourner dans une situation normale. C'est gaz là qui pour monter, pour l'État suspendre, subventionner gaz. Madame, monsieur, vous pouvez même contrôler nous parfois. Combien de machines qui sont dans le cortège Ariel? Des ministres qui sont sortis là, ou envie de penser son président, oui. Tout le monde ça, l'État paye tout, oui. Gosse de ti chéri, ti boubou, ti doudou actuellement là, qui charge chaque nos paquets ministères, qui va prendre le merde. Pour ça l'État, pas le faire, on pas le font expertise à le chercher. Pour ça l'État, il pas le faire audit, à regarder pour loin dans boîte yo. Quand tu t'es mon cap touché mec pas régler rien. Et pas pensionnaire yo non. Yo pas pensionnaire non. Y a touché. Genèg là, bon sous privé. Sous monté li, sous privé. Genèg là tellement te qu'on a gagoté. Gen bay sa yo les faes là. Gon série de nèg. Chèque yo sorti, chèque madame yo sorti, chèque petite yo sorti oui, nan faes et yo chita la kayo chaque jour. Yo pa fè yon pa. Yo pa di chèm employé faes non. Ou pa konnen institution étatique là. Sen nèg la vini il di eh ou pa gon ti zanmi bon jere le pou non. Ou pa gon moun ou pa gon proche bon jere le pou non. Et puis ajoute sou li chaque mois men l'argent oui. Ou quoi comprendre? Ou quoi comprendre nan ki sa nye? Ou quoi comprendre nan ki situation troublante nou ye la? Et c'est là pour montrer, c'est là pour comprendre mesdames messieurs, sortir nous dans situation là, est extrêmement difficile. Parce que leur conseil de nèg cap bien touché, yo va même comprendre attribution, yo va même comprendre pour qui ça yo là. Ministre justice là dit nous, c'est gaz là qui pour monter et c'est ça qui permet pays à sortir col dans salier là. C'est ça qui permet nous retourner dans situation normale, monter gaz là. Ou quoi comprendre? Kounya créole la parle clair entendez oui et pas ça pas gien ken problème qu'on identifier pour pas une solution voulez automatiquement nous fin identifier problème nan solution pral vini non temps mais c'est vous qui identifier problème là toujours automatiquement yo identifier problème nan y a président ça veut dire que gouvernement pas qu'on identifier problème qui gien là tenez bien gouvernement pas qu'on identifier problème qui gien là l'autre là elle dit toute bagaille sous contrôle globalement. Mais quand il y a les Nations Unies après l'embrouille, ils ont fini de déchaîner, ils ont enragé. Ils ont demandé de débloquer Vareux. Oh oui, il y a la choléra, il y a tout le bagage débloqué. Et situation normale pour eux. Vous ne comprenez pas? Tout le bagage sous contrôle pour eux. Nations Unies après l'embrouille, Premier ministre Ariel Henry met maintenant tête après l'embrouille. Ils ont demandé aux Nations Unies, venez d'elle, communauté internationale, ils ont besoin de toutes sortes d'aide. Toute forme d'aide, ils ont besoin. Il faut demander vraiment, côté nous, qui ça a fait? Hein? Quand est-ce que vous allez? Qui ça a fait? Qui route n'a pas? Qui chemin? Entre temps, manifestation continue. Plusieurs zones ou bien plusieurs communautés continuent à manifester. Zone Juvena, et selon toute information, yo, bureau DGI dans Juvena, il passe un mauvais moment. Elle était partiellement brûlée, mesdames, messieurs. C'était une grosse manifestation. Nous invitons à suivre en image comment ça a été. Dans la rue, jeudi 6 octobre 2022. Come on. 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 Come on.
Là, c'est retourné après tourné, il y a monté Pétionville. On y a eu pour direction Pétionville et y a eu par contre qui l'a monté la gaille. La Russie également dans l'actualité, en Haïti, puisque certains dans la population en appellent à l'aide de Moscou. Oui Vincent, le pays frappé par une crise politique, sociale, économique et dans les manifestations, des drapeaux russes fleurissent comme au Gonaïve, où certains participants à ces rassemblements dénoncent une ingérence américaine et le soutien de Washington au gouvernement d'Ariel Henry. C'est ce que vous avez pu constater, Ronel Paul. Les États-Unis sont les seuls responsables de la situation actuelle du pays, selon cet homme rencontré dans la foule de protestataires. Lundi, un manifestant, il avait brandi un drapeau russe. Aujourd'hui, il est sorti avec le drapeau haïtien autour du cou. Les États-Unis ont installé Ariel Henry pour qu'il suce le sang du peuple haïtien. Regardez, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. C'est la première fois que je vois ça. Avec la Russie, on aurait de meilleures conditions de vie. Vive la Russie! Présent lui aussi dans le cortège, le jeune syndicaliste Besnay Jean-Baptiste en appelle lui aussi à Moscou, même s'il reconnaît qu'il est difficile pour Haïti d'avoir des relations diplomatiques étroites avec la Russie, il estime que tous les moyens sont bons pour pousser Ariel Henry au départ. Pour lui, en acceptant le maintien du premier ministre au pouvoir, malgré son incapacité à résoudre les problèmes du pays, les États-Unis ne peuvent plus prétendre faire partie des amis d'Haïti. En tant que syndicaliste, nous savons identifier les vrais amis d'Haïti. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons à bas les États-Unis pour les interpeller, car nous sommes leurs frères et leurs voisins. Haïti est sur le continent américain et les États-Unis ne disent rien. Alors nous, les syndicalistes, nous disons non, nous n'acceptons pas nos conditions de vie. Ce mardi après-midi, alors qu'une foule de manifestants commençait à se masser devant le commissariat des Gonaïves, la police a tiré des gaz lacrymogènes en direction de la foule. Une maison à proximité a été touchée et un bébé d'un mois et demi a été asphyxié, puis transporté en urgence à l'hôpital. Il serait dans un état critique. Ronel Paul, les Gonaïves, RFI. Spécialement ville au cas nous campons pour dire Ariel Henry quitte le pays parce que avec Ariel Henry c'est trop mal.
sécurité, pas de travail, pas de rien qui a fonctionné. Dans ce sens, nous mettons des départs à la rue, sans condition. Qui m'a dit pour faire des rêves, parce que vous-même qui mettez des bandits, qui mettez des barbecues. Vous comprenez? Vous avez dit qu'il faut préparer préparé ici en misère, dans grand goût. Même bête dans misère, dans grand goût. Je dis à la. Vous demandez pour l'école ouvrir, l'école va pas ouvrir. Tout à l'heure, elle va aller, l'école là va pas ouvrir. Et nous avons un message par la communauté internationale là. Qui s'est tiré, et vous-même qui organisez, qui mettez Genève en famille et alliés, comme voler dans le pays. Et vous-même qui vous finissez pour une fois voler à Ariel Henry, pour payer à développer. Tout à Ariel va aller, payer à marquer l'école là-dedans. Demandez changement, parce que le gouverneur Ariel Henry a automatisé une top. C'est M. Jules Del après qu'il a parlé. Mais travaillons. On a fait une révolution jusqu'au bout pour que l'on ait livré en bas. Et colons. C'est États-Unis d'Amérique, Canada, la France, la nous on est des livres, nous on est des changements. Et force à faire nous-mêmes. Bien que nous grand monde, nous n'avons pas les géniaux pour une délivrance dans le capital. La population qui a un nom pour les bétons, pour être capable de manifester mes contentements face au gouvernement Ariel Henry. Qui sont un gouvernement capable irresponsable, un gouvernement qui est incompétent et derrière son gouvernement illégitime, son gouvernement de fait, ça veut dire que ça, son gouvernement, ce n'est pas la population qui mettait Ariel Henry côté de là. C'est Jovenel Moïse, après l'État assassiné, qui était nommé Ariel Henry comme ministre. De ce fait, mandat Jovenel Moïse pour enfin, ça veut dire que ça, Ariel Henry n'a pas de place dans le tête de l'État ici. C'est ça que fait nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui à la ville locale, nous décidons de foutre des dons pour demander démission à Ariel Henry, le tête de l'État ici. Pour demander à Malaviché, à Malavézé, gaz là, nous demandons pour gaz à retourner la pompe parce que ce n'est pas logique pour appeler galon gaz 1000 dollars pour appeler au cagaz 1000 piastres. C'est ça que fait nous-mêmes, la ville locale, tout autant Ariel Henry, même démission, nous ne pouvons pas quitter le béton, nous là pour nous quitter le béton, les Ariel qui étaient pouvoir, les Ariel qui étaient pour Matia, de ce fait, après ça, nous-mêmes, sur cette estime-là, nous-mêmes, parce que nous sommes alliés, nous pouvons organiser, nous pouvons regarder comment nous carréons, qu'est-ce que c'est ça, comment nous sommes capables d'aller dans le petit AIS. C'est ça que fait nous là, nous demandons des démissions à Ariel Henry, sans condition de tes prières, démissions à Ariel Henry, de tes prières, sans condition. Bon, tu m'as dit que ma voix est là, excusez-moi les médias. Bon, ultimatum, ça m'a brûlé là, pour Ariel Henry, bien classique. Gardez journée, moi je dis là, moi-même, son mécanicien, nous sommes professionnels. Nous tous là, nous avons chômage. Ok? Journée, je dis là, m'a demandé à Ariel, est-ce qu'elle parle de conscience? Est-ce que c'est conscience? Tout est globalement sous contrôle, pas vrai? Et bien, ça y est, dis-nous. Tout est globalement sous contrôle? Mais oui. Ça, c'est, ouais, déjà, il s'est trouvé dans le Juvena. Ça, c'est espace grand contribuable, Joël Makea. Grand contribuable. Vous connaissez ça, ça veut dire? Quand on a un compagnon un espace comme ça, ou pas le dire comme si, mais qui ça fait un espace comme ça pas bien sécurisé? Ou pas le dire? Maintenant, ça, n'est pas le faut répéter pour dire tout le bagage sous contrôle là. Oui, non, ça. Et moi-même, m'a toujours demandé aux populations qui manifestent. À nous mener la bataille avec intelligence, avec tête. Déjà, il sait pour où. Et où qu'elle contribue là-dedans. C'est l'argent tatou, l'argent malheureux, malheureuse. Déjà, il sait pour où il est. Ariel Pralé l'a quitté DGI. Quel que soit mon nom, Pralé l'a quitté l'institution. Parce que c'est pour où yo, et pas institution ça yo pour nous craser, pour nous briser, pour nous mettre du feu là dans yo. Ti son moun k'ap conseiller peuple à prendre route ça la prend là. Pour bouler bien l'état. Bouler machine l'état. C'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne situation. OK? C'est pas du tout une très bonne situation. Parce que l'on boule on boit l'état. Son bac l'état fait parce que faut qu'il joigne quoi pour le cas reconstruire soit tes boulets ou bien soit tes crasés. Vous comprenez ça? On nous agit avec intelligence. On nous pose action, on a posé de façon concrète, de façon réelle, normale. Et tout le monde a bon raison. Tout le monde a pour action posée, c'est de très bonnes actions. Bye bye tout le monde. Nous sommes contents ensemble avec vous. Nous sommes déjà rentrés dans le week-end.
Dès que vous prenez week-end, nous connaissons déjà la situation comment lié. Automatiquement, vous entrez dans le week-end, nous connaissons déjà. Vous n'avez pas envie de prendre plaisir, vous n'avez pas envie de mener toute activité correctement. Correctement, j'ai ça doué. Vous connaissez ça? Eh bien, l'excès en tout nuit, pas jamais oublier ça. Là où tu es blessé, ou même quand vous prenez volant, mettez de côté bouteille là. Et si vous avez envie de prendre bouteille là, volant, quittez-le de côté. Un week-end a toujours été un week-end dans tout pays, dans le monde là. Et pas ça, week-end ça belle, l'autre week-end a encore plus belle. Chanel là, c'est Haïti Réflexion, amis qui avec vous, c'est Esdras Fizeme. Moi, invite au Kounia là même, mesdames, messieurs, si c'est première fois, t'es une chance, tombez sous nous, activez cloche notification qui ne croit pas abonner. Et c'est ça qui permet ou rester connecté. Rete connecté ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'a pas croisé un peu plus tard pour une autre vidéo.